Toujours un plaisir. Restez avec nous. Tiens. Sur le plateau de l'émission BFM Story, Sébastien Delogu a encore cherché le buzz. Il a reproché à la députée RN Edwige Diaz d'avoir osé lui frôler le bras pour lui demander de finir sa phrase. Regardez la séquence lunaire. Il y a Julien Odoul. Il est déjà là. Oh, il est plus rapide que l'éclair, celui-ci. Comment allez-vous, Cyril? Alors, ça y est, vous êtes heureux, vous. Hein. Heureux, je sais pas, on va voir. Bah non, mais arrêtez, non, mais on va se dire la vérité. Moi, je dis la vérité avant qu'on parle de Delogu, Julien Odoul, on se dit tout. Hein, on va pas non plus tortiller du cucu pour. Voilà. vous étiez grand gagnant, puis perdant, puis perdant, puis l'été, puis on sait pas. Et puis maintenant, vous êtes quand même les grands gagnants de cette affaire. Parce que vous êtes un petit peu les arbitres, hein, d'être là avec le sifflet, là. Chut, on n'aime pas cette toile, on fait pas la terminée, merci, au revoir. Non, mais c'est incroyable. On est au centre du jeu. Et c'est vrai que certains nous ont enterrés après les législatives. Moi, j'ai cru, voilà, je vous le dis. Il y a beaucoup de gens qui croyaient, ils se sont dit, bon, bah, eux, ça y est, terminé. Et on pensait que le NFP de Gilles Vernez, la France Insoumise, que c'est pas le NFP, la France Insoumise de Gilles Vernez, allait être au centre du jeu. Et c'est un truc de fou, ça a été un renversement de situation. Est-ce que vous l'aviez vu venir? Mais ça, c'est la meilleure nouvelle de la journée. Pourquoi vous me regardez je vous regarde parce que ce sont vos amis politiques. Et pas mes amis. C'est la meilleure nouvelle de la journée. Regardez-le. Après 60 jours d'enfumage, où on a assisté au show casté, à la tournée partout, des représentations en veux-tu, en voilà, où ils ont essayé de faire croire qu'ils étaient majoritaires, qu'ils pouvaient constituer un gouvernement. En fait, ils ont cru que parce qu'ils étaient arrivés en tête grâce à la Macronie, parce que c'est la Macronie qui s'est désistée, pour des candidats LFI, antisémites, homophobes et j'en passe, ils ont cru en fait que ce plan d'un soir allait se transformer en mariage. Voilà, c'est tout. Et aujourd'hui, patatras, ils sont minoritaires. Vous êtes minoritaire dans le pays, vous êtes minoritaire dans les idées parce que les Français, non mais vous les soutenez, vous avez voté pour eux. Oui. Regardez son attitude. Vous avez voté pour eux. Non, pas du tout. Quand il dit vous avez voté pour eux, on dirait que ça transpire le. Regardez cette méchanceté. N'oubliez jamais. Donne de la confiture à Jean, il te la rendra en chiant. Regardez, c'est lui. Non, mais franchement. Non, mais arrêtez. Non, mais aujourd'hui, vous êtes gros Jean comme devant. Oui. Mais ça vous fait rire. Bah oui, ça me fait rire. Mais c'est surtout pour ça que je rigole, en fait. Mais si avec moi... Je pensais qu'à vous. Il y a des millions de gens qui sont... Arrêtez, je pense à Delogu, là, c'était incroyable. Encore hier, là, il faisait le malin sur BFM Story. Je pense à Boyard. Rigoler, il va retourner au fort. Non, mais arrêtez. Non, mais c'est une rigolade. Mathilde Panot, elle va retourner à la sécurité routière. Non, mais arrêtez, c'est incroyable. Ce qui se passe, c'est exceptionnel. Mais c'est pour les électeurs de gauche que c'est pas bien. Là, vous prenez des noms, on s'en fout de... Pas du tout, mais pour les gens. Les électeurs de gauche... Ils ont été trompés, ils ont été dupés. Exactement, ils ont été dupés. J'ai de la peine. A fait croire des choses et en fait ils s'entendent pas du tout, ils sont pas d'accord. J'ai rien contre les électeurs, je vous l'ai déjà dit. Moi je n'ai pris personne. C'est juste des personnes de la LFI. Et tu voulais que je vous dise? Ils ont instrumentalisé des combats. Moi je comprends tout à fait qu'il y ait des gens qui peuvent voter pour la LFI. Ouais. Le problème c'est que dans la LFI, il y a quand même des sacrés loustiques, excusez-moi, et qui faisaient les malins, qui paradaient. Moi je me rappelle de Sébastien Delogu qui a tweeté Hanouna doit quitter la France, etc. Oui, bien sûr. Bah écoutez, aujourd'hui. Il n'est pas au gouvernement, Sébastien Delogu. Bah non, je pense qu'il ne sera jamais au gouvernement. Ouais. Non mais franchement, Julien Odoul, ça va se terminer quand? Mais ce comportement n'étonne personne. Enfin, tout le monde connaît, maintenant la France entière a appris à connaître Sébastien Delogu, qui est un député racaille, avec des méthodes de voyou, qui est indigne de son mandat, indigne de sa fonction. Rappelez-vous, il refusait de serrer la main au plus jeune député de l'Assemblée nationale parce qu'il est Rassemblement national et que cela ne lui convenait pas. Il a des comportements outranciers. Il a brandi plusieurs fois le drapeau palestinien. Il refuse de chanter la Marseillaise lors des commémorations de la libération de Marseille. Et puis, très clairement, on voit bien qu'il est gangréné par l'islamo-gauchisme. C'est l'ami des islamistes, Sébastien Delogu. Et peut-être qu'il est influencé par les comportements, par les consignes de ses amis du Hamas, qui considèrent qu'une femme est un être inférieur et on ne peut pas être touché par une femme. Voilà, c'est tout ça, Sébastien Delogu. Et ça en dit long sur ce qu'est la France insoumise, qui est un parti dangereux. Pour les islamistes, excusez-moi. Et ce sont les soutiens, les électeurs et les amis de Sébastien Delogu. Et très clairement, LFI, on le voit bien par cette représentation, mais par tous les comportements de leurs élus, est un parti dangereux, nauséabond, et on a des craintes s'ils arrivent au pouvoir. Et je vais vous dire, et c'est à cause de ça que l'ARCOM nous a, mine de rien, nous a partenu comme fréquence, que c'est surtout à cause de l'affaire Boyard, on ne va pas se mentir. L'affaire Boyard qui fait des scandales partout, comme Delogu, comme tout, mais ils ont retenu, ça s'est toujours bien passé avec tous les députés,
tous les ministres, tous les candidats qu'on a reçus, ça s'est toujours très bien passé avec tout le monde. Hein. Voilà. Y compris de la France Insoumise, je me souviens. Y compris de la France. Mathilde Panot, Carles Martins-Villango, quand il y a eu. Bien sûr, ils étaient venus ici en priorité. À l'Assemblée. Bien sûr. Ouais, le soir, voilà, même ici. Donc voilà, mais bon, c'est. Après, monsieur Odoul, si jamais il est effleuré par, je sais pas, par exemple, Lucie Castet ou Mathilde Panot, on est d'accord qu'il n'y a pas de problème. C'est juste parce qu'il se fait effleurer par une élue du Rassemblement National. C'est pas une question de femme, à mon avis. C'est une question de couleur politique. On ne sait pas vraiment. On ne sait pas vraiment, là, parce que quand on le voit en circonscription, quand on voit quelles sont ses accointances, sur quel ressort finalement il flatte son électorat, on sent bien qu'il y a aussi l'idéologie islamiste qui rentre en ligne de compte. Alors oui, il y a le sectarisme bête, outrancier, puéril de la France insoumise, qui considère que quand on n'a pas les mêmes idées, il ne faut surtout pas avoir de contact physique, parce qu'on pourrait peut-être être contaminé. Mmh. Mais il y a aussi l'islamo-gauchisme, encore une fois, qui vient gangréner leurs pensées et sont des comportements qu'on retrouve avec des islamistes qui ne peuvent pas regarder une femme, qui ne peuvent pas toucher une femme, etc. Donc, encore une fois, je pense qu'il y a les deux. Gilles Verdez. Mais là, on part dans un grand délire de M. Odoul. Mais qu'est-ce que vous pensez de cette séquence, déjà ? Alors, je ne suis pas le porte-parole de M. Delogu, je n'ai pas de sympathie pour lui, mais je ne suis pas choqué. D'accord, bah oui. Je ne suis pas choqué parce que c'est un symbole. Et si ça avait été un autre gars, si ça avait été un mec du RN qui se fait toucher par Mathilde Panot et qui a la même réaction, vous auriez dit quoi ? Quel scandale ! Voilà, merci. Mais on l'aime pour ça, on l'aime. Je ne suis pas choqué parce qu'il en fait un acte symbolique. Comme quand à l'Assemblée, il ne vous salue pas. Moi, je... Vous trouvez ça bien ? Non, je ne l'aurais pas fait, mais c'est le symbole qui compte. Il fait plus que ça aux yeux des électeurs. Quand il met un coup de pression à jeunes élites, vous trouvez ça normal ? Non, mais je ne suis pas proche, ni voilà, je n'ai pas d'affinité avec M. Delogu, mais je le prends là comme un symbole. Vous voyez, il met la main, il sait très bien que c'est filmé. Voilà, c'est une manière de dire que vous n'êtes pas fréquentable. Voilà. Et pour beaucoup de gens... Il y a 11 millions de gens, alors vous n'êtes pas fréquentable. Non, mais ce n'est pas moi qui le dis, c'est lui qui veut faire passer cette idée. Ça ne va pas avancer comme ça. Après, vous montez en pression. C'est un provocateur qui ne respecte pas 11 millions d'électeurs aujourd'hui, il faut le dire. Et ça, c'est la puanteur de la politique d'aujourd'hui. Et c'est des gens dangereux. Et j'espère qu'ils seront vite écartés. Et il faut rappeler aussi à tout le monde, parce que j'ai rien contre les gens de gauche. Mais c'est ces personnes-là qui ont tué la gauche. Hein. S'il n'y a plus de gauche aujourd'hui, c'est à cause d'eux. Hein. Et il faut savoir le dire. Parce que la gauche, elle était importante dans notre pays. Lui. Et ils ont bousillé la gauche aujourd'hui. C'est la gauche. Ils ont bousillé. Non, c'est pas la gauche. C'est une gauche. Et moi, je suis d'accord parce que la gauche, il y a tellement de gens qui se disent est-ce qu'on aimerait avoir une vraie gauche. Et voilà, ils ont bousillé la gauche. Ils l'ont diabolisé. Dans leur manifestation, ils brûlent des drapeaux français. Oui. C'est la gauche. Oui. Non, c'est pas la gauche. Oui. C'est des gens qui ont la haine contre la France. C'est des gens qui ont la haine contre la France. Ces gens-là, c'est tout. Ils n'aiment même pas les Français. Les électeurs de gauche ont la haine de la France. Mais c'est pas des. Mais ça, c'est pas la gauche. Vous êtes d'extrême droite. Arrêtez de nous. Non, moi, je suis pas d'extrême droite. Mais si, reconnaissez-le. Moi, je suis de gauche. Vous êtes d'extrême droite. Donc, je viens de vous des gilets jaunes. Alors, si vous savez si les gilets jaunes étaient d'extrême droite, ça se saurait. Hein, vous vous trompez. Hein. Maintenant, quand aujourd'hui le rassemblement. Pas dit que les gilets jaunes, quand on entend le programme aujourd'hui. Pas dit les gilets jaunes, vous allez taper mamie, là. Quand on entend le programme du Rassemblement National, je suis désolé de vous dire qu'ils sont bien en avant par rapport à des gens de la France insoumise. Vous avez le droit de voter. Strictement rien à faire d'avenir des Français. Faites comme si j'étais pas là. Hein. La pauvre mamie. 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 Non, mais Gilles Verdez, arrêtez là, 2 minutes. Arrêtez de traiter tout le monde, c'est insupportable. Je ne l'ai pas du tout traité. Cyril, je peux vous poser une question ? Non. Pourquoi lui, il a le droit de dire vous êtes d'extrême gauche et j'ai pas le droit de lui dire vous êtes d'extrême droite ? Il vous a pas dit que vous étiez d'extrême droite. Il n'a pas de la gauche. J'ai jamais dit ça, je suis juste en train de te dire que c'est un parti dangereux et les gens, il faut qu'ils en soient conscients. Et on a vraiment conscients. La France a eu à un moment une gauche humaniste au temps de Mitterrand, etc. Les gens adhéraient. Même ma mère, qui est femme d'un médecin de province, etc., qui n'est pas du tout faite pour voter à gauche, elle avait voté pour François Mitterrand. C'est-à-dire qu'ils nous avaient séduits au-delà de leur électorat normal. Mais ce n'est pas la gauche qui aurait demandé de brûler les mairies ou les commissariats comme Delogu à Marseille. Bien sûr. Il y a une gauche laïque aussi à l'époque. Non, mais Gilles Verdez, Gilou, mon Gilou, réveille-toi, mon vieux. Mais le Nouveau Front Populaire, c'est une coalition. Arrête avec ça, tu vois bien que ça va exploser. Avec la nomination de Barnier, c'est terminé. C'est terminé. Arrête de rêver. Et tu l'as dit tout à l'heure, tu as dit bien que Cazeneuve, pour toi, c'était pas la gauche. Oui, c'est ta gauche, c'est Delogu, c'est Boya, c'est Panot, c'est Rima. C'est terrible d'ailleurs de dire ça. C'est tout. Le Nouveau Front Populaire. La gauche qui aime l'ordre et qui aime les flics, pour vous, c'est pas la gauche. Si, exactement. Julien, je vais vous dire quelque chose. Vous savez pourquoi il dit ça ? Parce qu'il est comme Delogu. Il a peur après que des mecs l'appellent et lui disent « Ah bah t'as vu ce que t'as dit ?» Bah voilà, on sait très bien. Merci Gilles Verdez. Il a peur qu'à la pub, voilà, on lui dit « Ah bah t'as vu ?» Alors t'es pas... Voilà, bon, c'est bon, on sait. Arrêtez, les mecs, c'est bon. J'ai peur de rien. Arrêtez de nous prendre pour des jambons.
Non mais c'est vrai, ils nous prenaient pas pour des raloufs. Non mais Gilles Bernet. Non mais franchement, arrêtez, on sait très bien. Donc c'est pour ça que quand tu dis que Cazeneuve c'est pas la gauche, c'est que ta gauche c'est Delogu, c'est Pado, c'est Mélenchon. Le nouveau Front Populaire, Cazeneuve c'est pas le nouveau Front Populaire. Mais ça n'existe pas, n'existe plus. Mais n'existe plus, arrête un peu, c'est dans ta tête. Ils en veulent même plus de là, les filles. Ils en veulent même plus, c'est des boulets. Mais c'est des boulets. Regarde ce qu'a dit Fabien Roussel, il a dit on veut plus entendre Mélenchon. Ça fait deux ans que Fabien Roussel et Mélenchon se sont pas parlé. Bien sûr. Et alors ils veulent faire une coalition. Mais ils ont été chercher Lucie Castaing. Moi aussi, je peux sortir un nom, Séverine Bouillard. Non, mais franchement, les gars. Non, mais franchement, elle était dans ma classe en 4ème 2B. Non, mais franchement, arrête un peu. Soyez sérieux. Non, mais franchement, Ghislaine Billot. Non, mais attends. Elle est payée 9000 euros aussi. Oui, c'est ça, 9000 euros, exactement. Non, mais Gilles Verdez, soyez sérieux. Mais c'est bien que vous défendiez parce que c'est important. Ah, que je défende, je donne mes convictions. Mais là, il y a plein d'électeurs qui pensent. Mais regardez ses comportements. Non, mais oui, ça, c'est pas. Et je le redis aux téléspectateurs. Moi, parce qu'on me dit. Moi, je vais vous dire, il y a plein de gens de gauche que j'adore. Ah ben il y a plein aussi. De gens de gauche que j'adore. Roussel, il y a plein de gens de droite que j'adore aussi. Moi, je parle à tout le monde. Mais je vais vous dire, eux, ils sont. C'est devenu. Non, mais il y a des gauches irréconciliables. Voilà. Ils sont devenus insupportables. Excusez-moi, Gilles Verdez. Oui. À un moment, il faut le dire. Et je sais que votre gauche, c'est la LFI, mais vous avez le droit. Et on entend parler que de... populaire. Mais non, mais moi mais la LFI, il y a des gens très bien à la LFI. Oui. Ah oui, mais on les entend pas. Mais parce qu'ils sont, on les entend pas. Ils ont été virés surtout. Oui, exactement. Ils ont été virés. Alexis Corbière. Ceux qui tenaient la route, ils les ont mis de côté. Alexis Corbière, je suis désolé, c'est quelqu'un avec qui tu peux discuter. Tu peux être d'accord avec lui, pas d'accord avec lui, mais c'est quelqu'un avec qui. Raquel Garrido, on peut discuter. Exactement. Raquel Garrido, elle est exceptionnelle. Ruffin. Raquel Garrido, voilà, moi je. Moi, quoi qu'il arrive, voilà, même si on a des trucs, j'adore Raquel Garrido. J'adore Alexis Corbière. Je les aime vraiment, voilà. C'est des gens, voilà, je les considérais comme des amis, je le dis.